Pendant la méditation, il y a un rire qui venait. Et ben, je l'ai retenu parce que sinon, ça va déranger la méditation. Et puis, ben, je remercie Michel parce que, comme ça, pas toi, l'autre, parce que son portable, il a sonné et bon, ça n'a pas dérangé finalement. Donc peut-être la prochaine fois, s'il y a un rire qui vient, je m'autoriserai à le laisser sortir. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie et dans le groupe que tu laisses sortir ton rire? Bah, pour le groupe, je ne sais pas, mais pour moi, il y a besoin que ça sorte. Mais après, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour laisser sortir... Enfin, pour lâcher prise, c'est bien, mais pas trop de laisser aller non plus. On va refaire le chemin avec comme prérogative uniquement « sois vrai ». Oui, c'est ça qui m'est venu quand on a parlé du lâcher prise. C'est si je lâche prise, je gagne en authenticité. Et j'y ai réfléchi un peu toute la nuit. Donc si tu lâches prise, si tu cesses de retenir notamment des rires ou autre chose, tu gagnes en authenticité. Qu'est-ce que ça te fait à toi d'être plus authentique? J'exprime qui je suis. Et tu peux te payer le luxe d'être naturel, d'être vrai. Et de, plutôt c'est ça, de faire l'économie de toutes les complications, de gérer les retenues, faire attention, est-ce que ceci, cela, c'est d'une complexité mentale infernale. Et là, c'est ça, t'as envie de rire, tu ris. Ouais, mais quand même, avec Claudette, c'est sérieux. T'as bien raison. Merci. Nous avons vu dans certains stages des personnes se mettent à chanter, à danser ou à rire. Et parfois, le rire est communicatif et ça rit finalement. Tout le monde rit et ça décharge en riant, tu vois. Il y avait peut-être un déclencheur d'un festival du rire ici qui n'a pas eu lieu parce que tu n'as pas joué ta partition. C'est aussi une responsabilité collective. Pas de culpabilité, on est en train d'apprendre. Et entre nous, on se donne le droit de faire des erreurs, d'en parler. Et cet enseignement, il est bon pour toi, mais il est bon pour tout le monde, évidemment. François nous disait ce matin qu'il a vécu une expérience semblable. Et on n'a pas fini, on pourra en raconter tous les jours. Juste être toi. Dans la vérité. Merci. J'ai aussi le sentiment que quand quelqu'un est vrai, ça a une espèce d'effet contaminant, contagieux. C'est comme si les autres disent, c'est pas la peine de jouer de rôle avec lui. Il est simple, il est naturel. On a envie de dire des bêtises, on les dit, on est plus profond. Tu vois, c'est simple. Alors, il y a cette responsabilité d'autoriser un peu plus les autres à être vrais. Est-ce que ce serait pas magnifique si tout le monde était un peu plus vrai dans l'expression de ce qu'il est? Et plus il y aura de gens vrais, plus ça va générer des gens vrais et ainsi de suite. Plutôt que de dire, fais attention, de se cadrer, de faire attention. Compliqué. De créer des personnages qui répondent aux attentes des autres. Ici, on a un environnement qui est particulièrement ouvert et réceptif à ça. À l'extérieur,
on la joue un peu différemment. On dit comment je peux être vrai tout en respectant les autres. Et là, la réponse vient. Et de temps en temps, le respect des autres, c'est vas-y à fond. Il y en a qui seront dérangés, mais ils ont une leçon à apprendre de ça. Et notre responsabilité, c'est pas de pas faire de vagues pour être le gentil de service, pour passer inaperçu. C'est pas ça qu'on est venu exprimer sur Terre, bordel. On va couper ça sur YouTube. On verra bien. On est venu exprimer quelque chose de plus beau, de plus grand et d'authentique. Je sais, et je viens de vous le prouver, je ne m'économise pas et je ne vous économise pas. Je n'essaie pas d'être la gentille petite éveillée parfaite qui répond à tous les critères. Je ne les connais pas, les critères, et ça ne m'intéresse pas. Et bien sûr, comme jeune éveillée, j'ai essayé de faire des trucs d'éveillée pour que vraiment me convaincre et vous convaincre que ben vraiment j'étais une vraie éveillée avec tous les trucs d'éveillée. T'sais. C'est vraiment fatigant. Ça m'a épuisée et surtout, mais quelle peine, quelle déception de voir que j'étais plus dans la vérité. En fait, j'étais encore dans un égo spirituel. Et c'est, l'éveil, c'est pas ça. L'éveil, c'est pas ça. Merci.